Là, voilà. Qu'est-ce Bien le bonjour à cette 25e journée d'horreur. Aujourd'hui, à Critique Macabre, je vais critiquer le film Zombie, un film du grand Lucio Fulci, fait en 1969 qui dure 1h32. C'est un film reconnu pour une scène tout à fait fantastique et qui peut sortir juste que d'une fiction. Un zombie contre un requin, toi. Ça va être super niaiseux, là. Mais j'ai hâte de regarder ça. Et où est-ce hâte de le voir? Fait que, j'espère que ça soit aussi bon que les gens le disent, et que peut-être que ça va devenir un de mes classiques à vie. Eh bien, c'était le film Zombie du grand Lucio Fulci. Je vais tout d'abord vous parler du jeu des acteurs de Zombie. Tous les acteurs qui jouaient dans ce film étaient tout à fait spectaculaires. Et cela nous donnait des images remplies de tension avec beaucoup d'émotions fortes. Pour ce qui est des effets spéciaux, la bande sonore est légendaire. Ça va vraiment bien pour un film de mort vivant. Et les effets sonores, eux, sont le seul défaut dans les effets, en fait. Ils sont un peu exagérés. Oui, quand un zombie commence à manger la chair d'un être vivant, le sang découlé, mais il tombe comme si c'était de l'eau, tu sais. Ça fait... Je suis pas sûr que ton sang coule comme un robinet, c'est pas normal ça. Surtout ça fait le bruit du robinet. Ça c'est un petit peu trop pour moi. Je trouve que ça marche pas. Là. Ça, en tout cas, c'est le petit hic que le film a. Les morts vivants, eux, sont faits de manière tout à fait cauchemardesque. C'est fou, là. Ils sont tous en décomposition. Ils sont pas beaux. Tu vois plus ou moins leur face. Ils ont comme des vers dans les yeux, par où ils dorment, qui tombent dans leur visage, par où ils... C'est vraiment dégoûtant, hein, en même temps. Extraordinairement bien fait. La cinématographie est tout à fait stupéfiante. C'est des belles images qui nous montrent là, et... Rien n'a l'air trop clair, rien n'a l'air trop foncé. Les effets pratiques des scènes sanglantes, comme je vous l'ai déjà dit, coulent comme l'eau. Fait que... Y'a pas de problème là-dedans. Sauf l'effet sonore, bien sûr, qui va avec ça. Pour mes impressions de zombies, j'ai vu la fameuse scène d'un zombie contre un requin. Et franchement, c'était pas si pire, mais... Je m'attendais à ce que ce soit un petit peu plus impressionnant. Mais bon, à qu'est-ce que je pourrais bien m'attendre? C'est un zombie contre un requin, tu sais. Ça peut pas être le combat du siècle, tu sais. À quelque part, là, c'est dans l'eau. C'est slow motion. Le zombie a une bouchée du requin. Le requin a une bouchée du zombie. Au bout du compte, aucun des deux a gagné. C'est juste que c'était un petit combo comme ça. Amusant. Qu'on a essayé de faire dans le film. Puis, qui était bien fait. Mais... qui était un peu inutile. Ouais.
Chaque fois qu'on voit les morts se lever, c'est toujours un spectacle à couper le souffle. Tu les vois se lever là, avec la toune qui commence là. Oh, oh c'est malade. Maudit que c'est bien fait. Maudit que c'est cool. Pour moi, là, des zombies, là, de l'échauffe aussi, là, mérite un 9 sur 10. Un autre 9 sur 10. C'était vraiment bon comme film, je l'adore. Je l'ai vraiment bien aimé. C'est devenu. C'est sûr que c'est un classique. Franchement, là, c'est un des meilleurs films de zombies que j'ai vu à vie. Ça, puis Dawn of the Dead, de George Romero. Ces deux-là, là, ouf! Ça va en maudit. Fait que je vous le recommande. C'est un classique. Fait que, allez voir ce film-là, là. Vraiment, là, ça vaut vraiment le coup, là. Allez-y tout de suite. C'est un ordre. Ah. Wow, c'était vraiment cool. Ah, c'était Critique Macabre pour cette 25e journée de l'heure. Et on se voit demain pour la 26e journée de l'heure.